Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, hein, comment est-ce que vous pouvez trouver des polices, hein, des polices spécifiques, hein, pour vos sites. Pour cela, ce qu'on va faire, regardez par exemple le design, hein, qu'on avait exécuté avant pour le site qu'on avait créé. Il y avait ça comme police dessus, sauf que hein, dans ce qu'on avait comme police sur l'outil, il n'y avait pas ça. Donc du coup on a fait ça, ok. Supposons que vous dites tiens, il faut que je trouve absolument la même police, hein. Il faudra aller chercher sur les sites qui proposent des polices gratuites, d'accord. T'avais par exemple là un fond sous police gratuite. Tape ça. S'il veut bien. Google est inaccessible. Ça, c'est marrant. Alors, police gratuite. Alors, là, Dafont, c'est un site connu. Après, il y en a d'autres, hein, que vous pouvez regarder, vérifier. Donc, sachez qu'il y a des polices gratuites, hein. Donc, vérifiez d'abord dans les polices gratuites avant d'aller acheter des polices. OK? Parce qu'il y en a aussi qui sont payantes. Mais vérifiez d'abord dans les gratuits et puis vous regardez les conditions, hein, d'utilisation avant. Donc, du coup, ici, hein, vous avez plein de polices que vous pouvez utiliser, que vous pouvez retrouver. Le truc, c'est que si vous ne connaissez pas le nom de la police, comme dans ce cas-là, où on ne sait pas quelle police c'est, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir regarder chaque page, ils en ont une tonne, quoi. Vous risquez de passer votre journée là-dessus, hein, pour chercher exactement la police qu'il vous faut. Donc, sachez que, voilà, ça existe, hein. Vous avez la possibilité de... Vous avez le choix. Okay. Vous avez le choix... Entre, vous avez le choix des polices, on va dire. Et une fois que vous avez trouvé votre police, tout ce que vous avez à faire, c'est de... On va essayer de prendre une police. Je vais quand même essayer de prendre une police qui me serait utile, parce que j'ai pas la prétention d'aller chercher la même police que pour le sport, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Alors... Hop. On recherche cette page. Hein. On a dit sport. On va appeler comme ça. Sport. On voit comment il écrit. Valider. On veut 200 par page, comme ça me donne une idée, une police. Alors, juste une police quoi pour quelque chose qui pourra me servir plus tard. Celui-ci n'est pas mal, c'est 100% gratuit. Hein. Donc, bon, je vais regarder les autres d'abord. Un Black Lives. Alors. Regardez les autres d'abord. Sport. Sport, sport, sport. On y est presque. Alors, descend, 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 descend. 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 Sport, sport, sport. 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 Ok. Donc on n'a pas trouvé ce qu'on veut. Ne sais même pas si je vais pouvoir reconnaître de nouveau ce qui m'avait tapé dans l'œil. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. Big deal, c'est pas celui-là.
c'est celui-ci. Donc, vous le téléchargez. Si vous voulez faire un don, ok, vous avez la possibilité de le faire. On va aller regarder, afficher le dossier. Donc là où on l'a téléchargé, on peut l'extraire ici. On va extraire vers Black Live, je sais pas quoi là. Alors, on va aller regarder. Donc c'est celui-là. D'accord, je vais regarder dessus. Donc si notre fichier est là, écoutez, je vais prendre ça. Je vais le couper. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais aller là. Je vais le mettre ici. D'accord. Coller. C'est le dossier dans lequel je vais le retrouver. Donc du coup, une fois que j'ai trouvé mon fichier, ce que je peux faire, c'est d'aller sur mon site. Donc je vais sur mon site pour importer ce fichier-là. Donc actuellement, on va regarder dans mes polices. On va vérifier d'abord ce qu'il y a. Ok. Tant que ça mouline. Ok. Donc là, on va regarder dans les polices actuelles, c'est ça. Comme vous le constatez, il n'y a pas grand-chose. Je remonte un peu celui-là. On est d'accord. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je n'ai pas, hein, à part arrière black, je n'ai pas ce que je veux importer, je l'ai pas. Donc, si je veux importer une nouvelle police, je vais là télécharger votre police. Ils nous disent que ça doit être .ttf, soit .wof, soit .wof2. Ok. Donc moi, je vais aller chercher la police et je vais prendre le point TTF. D'accord? Ça s'appelle à Black Lives. Ok, donc je vais l'ouvrir et je vais l'appeler à Black Lives. Ok. Et je l'enregistre. Et du coup, si je retourne dans mes polices, tac, maintenant, je dois normalement trouver quelque chose qui s'appelle A Black Lives. Il est là. D'accord? Et c'est comme ça que je peux l'utiliser maintenant si je le souhaite. Ok? Donc c'est comme ça que vous trouvez vous téléchargez des polices sur votre back office pour pouvoir l'utiliser pour vos sites internet. Ok, on se retrouve dans un prochain cours hein, pour parler. Création de sites web, tunnel de vente, marketing digital, pour développer votre activité sur Internet. Si ce n'est pas encore fait, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, surtout, inscrivez-vous sur la plateforme de formation gratuite si ce n'est pas encore fait, de manière à pouvoir profiter, télécharger les ressources que nous vous mettons à votre disposition, les sites que nous créons, les tunnels de vente que nous créons, nous les mettons à votre disposition. Hein. Et pour pouvoir développer votre activité sur Internet. Ok, ceci dit, on se retrouve dans un prochain cours. Ciao, ciao!